Franquin, le réinventeur de Spirou, le créateur du Marsupilami, l'auteur de Gaston Lagaffe, des Idées Noires ou du Trombone Illustré. Le génie, qui faisait vivre tous ses personnages grâce à son dessin si expressif et minutieux. Le génie qui nous faisait marrer quand on était petit. Car oui, nous aussi, il a bercé notre enfance. Comme presque toutes les personnes de plus de 20 ans qui ont lu les BD de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais il a surtout fait de nous les adultes que nous sommes. Pour faire court, notre grand-père était passionné par le dessin et la BD, et c'est avec les albums de Franquin qu'il nous a transmis cette passion et nous a encouragé à dessiner et créer. Et c'est ce qu'on fait dans la vie aujourd'hui. Donc merci Franquin. Et merci papy, on est bien content que vous soyez plus là pour voir ça. Car ils l'ont fait, un film Gaston Lagaffe. De son vivant, Franquin avait refusé que Gaston soit adapté. Mais c'est pas grave, ça ne les arrête pas. À quoi bon respecter l'auteur et sa mémoire alors qu'il y a peut-être du pognon à se faire? Enterrons le respect avec lui et allons-y. Et c'est d'abord ça le gros problème. Peu importe la qualité du film, son existence est déjà une erreur. Une insulte à Franquin. Franquin, ce génie qu'ils ont dépouillé. Salut, c'est Bois d'un. Et Bois deux. C'est moi. Et aujourd'hui, on va vous parler du tant attendu, et justement, pas du tout attendu, le film Gaston Lagaffe, qu'on n'attendait pas du tout. Parce que vous savez, quand vous aimez un héros, le héros de votre enfance, forcément, quand ça va être adapté en film, on flippe un peu sa mère. On a les chocottes. Hein. On avait les pétoches. Ah, on palpit des fesses. Comme Bois deux a essayé de le souligner à l'instant et comme l'intro vous l'a dit avec ma magnifique voix suave, Gaston, pour nous, c'est plus qu'une BD qu'on a lue un peu comme tout le monde quand on était petit. Gaston, c'est ce qui nous a donné envie de faire de la BD, de parler de bande dessinée, d'aimer le 9e art, voilà, en général. Et donc, on attendait pas l'adaptation de Gaston. Cette adaptation, mais elle est arrivée et on a râlé dans une vidéo précédente. On a râlé en voyant la bande-annonce. C'était gratuit, mais à culpa. On aurait peut-être pas dû critiquer certaines choses mais en voyant juste une bande-annonce. Mais si, parce qu'il y avait des choses dont... Enfin, on avait raison sur certaines choses. Mais avant de commencer, je vais vous balancer la phrase d'accroche. Et oui, car aujourd'hui, sur YouTube, il faut faire une phrase coup de poing, une phrase choc, pour que potentiellement les producteurs, etc., Dupuis, si vous m'écoutez, PEF, je sais pas, je sais plus qui a produit le film exactement, mais voilà, si vous m'écoutez, écoutez bien, je vais balancer ma phrase, et si vous voulez après m'envoyer un petit chèque pour la réutiliser... C'est cadeau, voilà, vous pouvez. En plus, je l'ai tweeté. Voilà, donc vous pouvez aussi sponsoriser le tweet. Mais enfin, Gaston, c'était pas très bien. C'est tout. Oui, la merde. C'était un peu nul, voilà, mais ça rime, hein. Mais enfin, bien, voilà. Alors, vous remarquerez la nuance dans cette phrase, c'était pas très bien. Il y a une petite nuance, on va pas râler. Pendant toute cette vidéo, il y a des choses à dire. On aurait envie de défoncer le film, mais on est intelligent. On fait pas des critiques juste pour râler. On peut nuancer, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. On peut sauver certaines choses. Il y a des choses à expliquer, et c'est ce qu'on va faire. Et c'est parti, et comme dans toutes les bonnes vidéos de critique cinéma, on va vous dire tout de suite un avis global, comme ça, si vous avez pas envie de vous taper 20 minutes, eh ben... Vous saurez s'il faut aller le voir ou pas. Et la réponse à cette question, c'est ne gâchez pas 10 balles pour aller le voir, ça vaut pas vraiment le coup. Attendez qu'il passe sur TF1 un dimanche soir. D'ailleurs, ce sera TF1 parce que c'est produit par TF1. Premièrement, attaquons directement avec un petit résumé des familles. Qu'est-ce que ça raconte? Parce que, évidemment, le problème de Gaston Lagaffe, c'est que dans les BD, il n'y a pas de fil rouge. Donc, qu'est-ce que ça peut raconter un film Gaston Lagaffe? C'est vrai que il faut reconnaître que PEF a dû travailler, cravacher sévère pour trouver un scénario, vu que dans la BD, il n'y en a pas. Donc, il a t'exagères plutôt... peut-être, parce que le scénario tient sur un post-it. Mais il a trouvé une intrigue qui se résume à... ils sont dans une entreprise, donc c'est pas une maison d'édition, on y reviendra plus tard. C'est une start-up qui recycle des objets qui ont été mal fabriqués. Au petit coin, on rend utile l'inutile. C'est marrant, d'ailleurs, ça donne une utilité à Gaston, un surplus d'intérêt pour Gaston, qui invente plein de petites choses, etc. Donc ça peut être utile, et c'est plutôt une bonne idée. Qui n'a pas été très bien utilisée, parce que Gaston n'a pas vraiment été utile dans la création des objets. C'est dommage, ils auraient pu le faire intervenir, mais ça n'a pas vraiment été fait. Mais alors, le scénario, c'est que le directeur... Bis, le directeur adjoint de l'entreprise, Prunel, donc PEF, rentre de vacances et il apprend qu'il y a un nouveau stagiaire. Donc Gaston
et qui c'est un branque, qui fait que dormir et qui n'est nul. Sauf que il apprend par la suite que le fils du patron aurait été recruté comme stagiaire dans l'entreprise et qu'il débuterait au bas de l'échelle pour faire comme tout le monde. Sauf qu'il croit que c'est Gaston. Alors donc, que c'est pas Gaston, nous on le sait. Alors, tout de suite, en tant que spectateur, au début du film, on sait que c'est pas Gaston, on sait que c'est un autre. C'est un homme de ménage, du coup. Mais ce début de scénario est très bien ficelé parce que ça explique une question que tout le monde s'est déjà demandé en lisant la BD. Non, justement, je voulais revenir à... Non. Bah, pourquoi Gaston et... En lisant la BD, comme c'est une BD, on s'est jamais posé la question de pourquoi Gaston n'a jamais été viré. Oui, parce qu'on s'en fout, au final. Il a été implémenté dans le journal Spirou. Et il a toujours été là, plus ou moins pour les lecteurs. Ouais, et du coup, voilà, personne ne s'est jamais posé la question pourquoi Gaston n'a pas été viré. Mais dans un film, je comprends que ça se pose comme question. Voilà, ça se pose comme... Continue. En même temps, un grand PDG, un grand homme d'affaires, monsieur de Messmaker, que vous connaissez bien, voilà, veut racheter, enfin, est en train de racheter la plupart des entreprises de vente internet qui marchent. Donc forcément, il veut racheter le Petit Coin. Je vais continuer parce que Boisdo, c'est brouillon. Tu coupes tous les trois mots, c'est brouillon. Du coup, Prunel ne veut pas que son entreprise soit rachetée, parce que The Messmaker vient racheter l'entreprise, mais au final, il appelle le patron lui dit « Vendez !» parce qu'il a vu la somme, qui était plutôt une grosse somme. Et ensuite, Gaston va faire foirer quand The Messmaker va venir. Ça, c'est comme dans la BD. Voilà, comme dans la BD. Puis, ils vont réinviter The Messmaker. Entre-temps, on a vu plein de petits épisodes de l'entreprise avec Gaston qui fait des gaffes, etc. Puis, The Messmaker revient. Gaston fait rater la vente, et en plus il proposait moins, l'entreprise croule parce qu'elle ne vend plus, parce que ils arrivent à trouver des idées, etc. Pef se concentre tellement sur le fait que Gaston foute le bordel, qu'il oublie totalement de travailler, et il laisse sa acolyte faire n'importe quoi de l'entreprise, ce qui fait que l'entreprise est cool. Du coup, The Messmaker revient, il refait une proposition, moment musical avec Gaston qui fait des gaffes, The Messmaker revient, il refait une proposition. Voilà, le film, c'est un peu ça, du coup, il n'y a pas vraiment de fil rouge. Puis, en tant que spectateur, on attend aussi tous le moment où Prunel va se rendre compte que Gaston, c'est pas le fils du patron et qu'il s'est complètement planté. Et c'est là, c'est à ce moment-là que le film a un sursaut, parce que à 10 minutes de la fin, il y a un scénario, enfin, en tout cas... Enfin, un scénario aussi, il y avait un scénario avant qui tenait sur deux lignes, mais le film a un sursaut et il se passe plein de choses en 10 minutes et c'est la fin, c'est la conclusion. Si vous n'êtes pas con, vous devinez ce qui va se passer, on va pas vous le dire, mais vu ce qu'on vous a expliqué avant, le scénario est plutôt prévisible et on l'avait plutôt prévu même avant le film. Ouais. D'ailleurs, si vous avez vu la critique de Happy Birds qu'on a fait dans un BD vlog, et ben c'est à peu près le même scénar. On avait dit que c'était un Gaston des temps modernes, et c'est à peu près le même scénario. Sauf que là, c'était en BD, et en BD, ça fonctionne. Là, ça fonctionne pas très bien. Mais c'est pas pour le scénario que le film... De toute façon, on s'attendait pas à avoir un scénario dingue. Je veux dire, Gaston, c'est des gags, c'est visuel, c'est... C'est du burlesque. Au cinéma, pour moi, s'il y avait quelque chose à faire avec Gaston, c'était du burlesque. En plus, Pef a plutôt une école cinématographique burlesque, on le voit dans ses origines, productions précédentes et dans les Robins des Bois, et pourtant, ça marche pas. Ça marche pas des masses. Ça fonctionne pas du tout. En fait, moi, le plus gros problème que j'ai eu avec le film, c'est que pendant une heure et demie, j'ai eu l'impression de regarder un cartoon, sauf que je regardais un film. Et un cartoon, enfin, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais t'es pas en train de te taper la jambe par terre, quoi, je veux dire, il y a des situations drôles, c'est un peu irréaliste. Mais sauf qu'en film, je sais pas, ça... T'es très méchant avec les cartons. Ça marche, T'es vraiment très méchant avec les cartons. J'ai grandi, donc ça me fait plus marrer, quoi. Oui, voilà, t'as grandi, mais quand on était petit, ça passe. Et justement, je pense que Gaston peut très bien fonctionner avec les enfants. Ah oui, par contre, avec vos gosses, ma vie, ça va les faire mourir de... Comme film familial, Gaston peut très très bien fonctionner, surtout que vos enfants plus jeunes vont pas connaître Gaston, à moins que vous leur ayez montré, et ce serait bien, d'ailleurs. Oui, faites-le. Mais sinon, pour quelqu'un qui connaît pas Gaston, qui connaît pas très bien Gaston, qui voit vite fait qui c'est, qui a peut-être lu un truc ou deux vite fait, mais qui est pas un gros gros fan de Gaston, qui s'attendait pas à quelque chose comme nous, c'est ça le problème. Comme nous, le film, je pense, peut fonctionner pour les enfants et pour les gens qui connaissent pas du tout Gaston, donc qui vont se laisser emporter par cette avalanche de gags visuels. Et le problème qu'on a, nous, sur le fait que ça fonctionne pas, c'est parce que c'est un film. Et comme nous, on a la BD en tête, on a nos personnages, on a la BD en tête, ça marche pas. Donc c'est pas forcément un gros défaut. De toute façon, est-ce que Pef aurait pu faire mieux? Non, alors ça, c'est la grande question. Je pense que n'importe qui aurait essayé de faire un film Gaston, ça aurait été différent. Est-ce que ça aurait été mieux?
Je suis pas sûr. D'ailleurs, dans les nombreuses interviews, critiques, etc., qu'on a vu, qu'on a entendu à la radio, Touche pas à mon poste, Le Quotidien, etc., PEF dit que c'était un projet casse-gueule, inadaptable. Tout le monde, et tout le monde, tous les fans le pensent aussi, c'était inadaptable. Il le savait. Donc le mec est conscient quand même. Il était conscient de la difficulté du projet. Du poids qu'il a sur ses épaules. Et il a dit aussi dans une interview qu'à mi-parcours, il n'était pas encore sûr et qu'il commençait à avoir un peu d'espoir. Il était pas chaud. Donc PEF était réaliste et il a quand même fait ce qu'on lui a demandé. Il a fait un film Gaston. C'était casse-gueule. Il aurait peut-être dû le refuser. Hein. Il aurait peut-être dû faire autre chose. D'ailleurs, a priori, pour le prochain film, il part sur autre chose. Tant mieux. Donc pas de la bande dessinée et tant mieux. Mais on soulignera le fait que PEF était conscient. Et pour moi, dans tout ce que j'ai entendu, PEF est le plus amoureux de la bande dessinée et de Franquin et de l'art de Franquin de tout le casting. Dans le film, c'est simple. En regardant le film, vous allez voir, le seul acteur qui est vraiment inspiré. Enfin, le seul personnage que vous disiez, c'est le personnage, c'est lui, c'est le mec de la BD, c'est Prunelle, bah c'est PEF. Dans l'attitude, dans les rôles du jeu, quand il dit Ronjou, ouais, il le fait bien, dans sa petite mèche derrière, ouais, petite là. Mèche derrière. Enfin, c'est pas exagéré. Ça passe, on a vraiment l'impression de voir Prunelle. Du coup, parlons des autres personnages. Parce que moi, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, Long Tarin fonctionne bien. Long Tarin, joué par Arnaud Ducret, voilà, il fait du Arnaud Ducret, mais fonctionne. Voilà, on y croit, c'est Long Tarin. Mais en fait, à chaque nouvelle grande scène, grande séquence du film, il y a cette petite routine où on voit Gaston se garer sur la place de livraison devant l'entreprise et... Long Tarin lui met une prune. Il y a la petite scène avec Long Tarin et ça fonctionne. Ça fonctionne, Long Tarin fonctionne bien, on le voit pas trop souvent, ça fonctionne. On va parler de Gaston quand même. Parle de Gaston, vas-y, je t'en prie. C'est très compliqué de parler de l'acteur qui joue Gaston parce que, pour moi, c'est pas mon Gaston. C'est pas le Gaston que j'avais imaginé, ça marche pas très bien. Sauf que, bah, en regardant le film, c'est un film Gaston Lagaffe, oui, c'est Gaston Lagaffe. Dans ce film-là, ça marche, c'est Gaston Lagaffe. Moi, il me plaît pas. Moi, mais ça marche, on y croit, c'est Gaston Lagaffe. J'ai trouvé que son caractère, qu'il avait envie de dormir tout le temps, qu'il est fainéant, trop exagéré. Je veux dire, au bout d'un moment, ouais, c'est bon, on a compris, il est fainéant, est-ce que c'est une raison d'en faire des tonnes? J'ai retrouvé mon Gaston, moi, dans certaines scènes, pas toutes. Ouais. Par contre, ce que je reprocherais principalement à l'acteur, qui est plutôt bon, qui fait, comme tu dis, il fait son Gaston, ouais. Et ça fonctionne, mais je reprocherais à cet acteur d'être un peu trop inexpressif. Gaston, même s'il est mou, il n'est pas inexpressif. Là, il l'est. Dans tout le film, il ne va pas sourire plus que ça. Et un poil hautain, je trouve, des fois. Des fois, en fait, en répondant, genre en mode je m'en fous, parce que c'est Gaston, tu sens une pointe de. En fait, il se fout de la gueule de Prunelle, et c'est un peu mal jaugé. Je pense que c'est pas fait exprès, mais moi, des fois, je le ressentais comme ça, et ça me titillait un peu. Voilà, Gaston, on va pas en faire des tonnes, ça passe, c'est pas ouf, mais ça passe. La plupart des autres personnages secondaires, genre Lebrac. Lebrac, on le voit pas souvent, il est là en fond, peu figurant. Il a son trait de caractère. Il passe. C'est Lebrac. Il passe. Il drague la secrétaire. Une fois. Il le fait une fois de façon assez. Enfin, non, il la drague pas d'ailleurs. Il fait une remarque sur ses fesses qui est plutôt maladroit. On est en 2018 quand même. D'ailleurs, le film se pose comme un film qui va se passer en 2018 et pas dans les années 60-70. Parce qu'ils n'avaient pas de budget. Je trouve ça un peu dommage parce que ça aurait pas changé grand chose au film que ça se passe dans les années 60-70 et ça aurait eu une espèce de petite esthétique. Bah, déjà, sa voiture, elle aurait été raccord. Ouais, voilà. Parce que là... Bah là, ça rajoute un côté gag, donc ouais. je comprends le côté... C'est un peu surréaliste, une voiture comme ça. Voilà, c'est décalé comparé à l'époque, mais c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que pourquoi... Enfin, si c'est juste une question, pourquoi vous voulez vous donner les moyens de faire un film Gaston, en disant ça va fonctionner, comédie, etc., on prend PEF et tout, mais derrière vous dites, ouais, par contre, non, le budget, non, on va faire ça en 2018. Hein. Bah, alors... Après, ils ont été réalistes, parce que le film, enfin, je l'annonce, hein, ça va bider, c'est sûr et certain. Sûr. Voilà, ils ont pas Kev Adams, c'est sûr, c'est mort. Pareil, même excuse, là c'est pas le budget, c'est le public, en disant faut parler à un jeune public. Ils ont dit qu'ils voulaient pas que ça se passe dans une rédaction d'un journal pour parler au jeune public, donc fallait que ça se passe dans une start-up. Alors on a dit au début que l'idée de la start-up qui recycle les objets, très bonne idée. Ouais, vraiment. Vraiment. Par contre, moi c'est l'excuse, genre, c'est pour parler aux jeunes. Ben, les jeunes, une rédaction d'un journal, ben, voilà, c'est une entreprise, c'est un journal, quoi, des journaux. C'est-à-dire, là, ça aurait pas changé grand-chose au film. Je sais pas à qui s'adresse, ouais, c'est ça. Pourquoi ils ont à qui s'adresse le film, je sais pas. On reparle des personnages. Donc, Mademoiselle Jeanne, jouée par Alison Wheeler,
pas une grande actrice, mais qui a été vue dans plein de trucs sur YouTube, dans des séries, bah, machin. Non, pour moi, c'est comme Le Braque, ça passe. Ça passe. Des fois, elle surjoue un peu trop, mais j'ai l'impression que c'est l'actrice qui est un peu perchée, qui est comme ça. Mais elle fait son... Pour moi, ça passe, mais elle fait le minimum vital, c'est-à-dire qu'elle est amoureuse de Gaston, et voilà. Et pendant tout le film, elle est amoureuse de Gaston, et elle est là, et Gaston s'en fout. Machin, et Gaston s'en fout. Comme dans la BD. Comme dans la BD, et ça, c'est bien. Par contre, il y a une scène qui passe pas avec elle, faut arrêter de faire ça au cinéma français, stop, vraiment arrêter. Je veux dire, ça a passé dans Mission Cléopâtre. Parce que c'était une des premières fois. Mais la scène où le héros voit la fille dont... Et il y a une musique au ralenti. Ah non. Une musique d'amour au ralenti avec ses cheveux qui volent. Non, stop. Oh, fini ça. Il n'y a pas que cette scène-là qui est comme ça. Il n'y a pas que celle-là. Restons sur les personnages. Boulier, un peu comme Le Braque, mais là... En même lieu. Hein. En même lieu, je trouve que Boulier, il s'appelle Canard, je crois. Son nom de famille, c'est Canard, cet acteur. Il passe très bien. Oui. Boulier. Pas un grand acteur, même pas très connu, je pense, mais vraiment, il fait le taf. Il fait vraiment le taf. C'est Boulier, on même plus, ouais, plus que Le Braque et Mademoiselle Jeanne. Ouais. Par contre... Alors là, gros bémol. Par contre, gros bémol sur trois acteurs. Du coup, on va commencer par De Mesmaeker. Excusez-moi si je le prononce mal. Voilà, je suis français, voilà, je ne parle pas, mais je sais que c'est un néerlandais, je sais que c'est un non flamand. Excusez-nous. Donc De Mesmaeker, joué par Jérôme Commander. Qui joue très mal. Très mal, t'es méchant. Il joue pas très mal. J'y crois pas une seconde. Ce qui passe pas pour moi, c'est pas le fait qu'il joue mal, je m'en fous un peu. C'est que pour moi, il joue pas. T'es méchant. Pour moi, il joue pas vraiment mal. Mais c'est parce que j'aime pas le mec. En fait, voilà, je pense que c'est ça. C'est personnel. Tu confonds le personnage et l'acteur. Ouais, ouais. On va excuser Bois de, mais en fait, le problème, c'est que le personnage... Ils en ont fait un connard. Ils ont fait de Mesmaeker le méchant du film. Celui qui veut racheter l'entreprise et virer tout le monde, etc. Autain, qui fume des cigares, qui envoie chier tout le monde. Non, en vrai... Voilà. Un gros capitaliste. Alors, quand on lit Gaston, oui, de Mesmaeker est un homme d'affaires capitaliste, mais de Mesmaeker est gentil, normalement. Enfin, est gentil. Il n'est pas gentil, mais... Il a une espèce de façade. Il y a plusieurs fois dans des gags où, je sais pas, il regarde un spectacle de marionnettes de Gaston et il kiffe. Il y a un gag où Gaston il fait des frites ou des crêpes, je sais plus, et il arrive et il est tout content parce que Gaston il a fait des frites ou des crêpes. Il a un cœur, enfin je veux dire. Il y a un gag où il joue avec le chat de Gaston. Donc il y a plusieurs gags où on voit que De Mesmaeker c'est un humain, c'est un homme comme les autres, et c'est juste un homme d'affaires classique qui veut faire son beurre, et voilà. Et en plus dans la BD de Gaston, il n'y a pas d'histoire de rachat de l'entreprise, etc. A priori ces contrats sont juste... On sait jamais ce que c'est, mais a priori ils sont juste bénéfiques à la boîte parce qu'ils veulent absolument les signer, et c'est tout. Il n'y a pas de malus, a priori, ils sont juste bénéfiques à la boîte, et Gaston les fait rater, ça qui est encore plus drôle. Et là, cet effet-là est raté dans le film, parce que derrière, nous, on sait que c'est un connard et qu'il va leur mettre à l'envers. Alors que dans la BD, ça fonctionne mieux, parce que Gaston fait rater les contrats, alors que les contrats, ils ont toujours été vendus comme un truc bien pour l'entreprise, vraiment très bien, et là, non. Donc du coup, ça marche, ça fonctionne pas, ils en ont fait un connard, ça marche pas. Ça marche pas du tout. De Mesmaeker, le personnage le plus raté du film. En plus, il est accompagné de Madame Kiglous, sa secrétaire, que, en vrai, dans les BD, vous voyez peut-être à tout péter. Une fois, voire deux, peut-être. Peut-être deux fois, dans deux gags. Là, on fait pas un comparatif, on fait pas que un comparatif BD, film, c'est pas ça le sujet de la vidéo. C'est juste qu'en plus, le personnage est omniprésent dès qu'il y a De Mesmaeker. Voilà, et en fait, elle suit toujours De Mesmaeker, elle lui allume son cigare, elle lui coupe son cigare. Vraiment, en plus, je pense qu'ils ont mis ce personnage pour continuer le côté connard de Mesmaeker qui exploite et sa secrétaire. Là, j'en veux à pef, genre, c'est trop drôle. En vrai, elle s'appelle Madame Kiglous, on va la faire glousser tout le long. C'est-à-dire qu'en fait, la personnage essaie de parler, mais on ne comprend jamais ce qu'elle dit. Tout le temps, et c'est insupportable, et elle sert à rien. À chaque fois que tu as un plan sur elle, tu fais « Mais pourquoi ? Dis un truc, à un moment, sert à quelque chose !» À part faire passer De Mesmaeker pour un connard en plus, ce qui est pas bien. Et moi, il était pas d'accord, j'aimais une théorie, parce qu'en fait, si tu vas sur la page Wikipédia de Monsieur De Mesmaeker, aimé De Mesmaeker, tu peux apprendre sur la page Wikipédia qu'il a une secrétaire, qu'il a aussi deux filles, et qu'il a une femme. Forcément. Mais en vrai, dans les BD, il y a un gag où on la voit, mais en vrai, non. Ce personnage, en gros, n'existe pas. Les deux autres personnages qui cristallisent un des défauts qu'on avait déjà remarqué dans la bande-annonce, c'est donc la Bévue et Jules de chez Smith en face. C'est compliqué à dire. Jules de chez Smith en face. Jules de chez Smith en face qui est joué par... Jimmy Labeu, qui, pourquoi pas... Il est belge. Il leur fallait une bonne tête de belge avec un accent belge pour faire... Ça passe. Ouais, ça passe. La Bévue, je sais pas, c'est qui l'acteur? C'est un chanteur. Enfin, il fait partie d'un groupe et il fait aussi des petits rôles d'acteur. Je sais plus le nom. Mais voilà. Mais en tout cas, la tête... Enfin, voilà. Le problème, c'est que justement, la tête des personnages, ils ont été grimés.
d'une telle façon que c'est... ça en devient presque de... Tu vois, en fait, de... ils font tâche comme Gaston. Ils sont pas vrais. Ils font tâche dans le film. Et il y a que Gaston et ces deux personnages-là qui font tâche dans le film. C'est-à-dire que Gaston, ils sont l'acteur... pas habillés normalement. Ils ont pas une tête normale. C'est exagéré, c'est caricatural. Le pull vert fluo, les espadrilles bleu fluo avec les chaussettes rouges fluo. Et là, si vous voyez, si vous êtes pas d'accord avec nous et que vous avez pas vu le film parce que vous avez vu que la bande-annonce, quand vous verrez Jules et l'abbé vu, là vous direz ah ouais. Ah ouais. Ouais, c'est chaud. Parce vraiment. Que tous les autres personnages sont habillés plutôt normalement, très oui, colorés. Ils pourraient exister, vraiment, les autres personnages. Prunelle, c'est ça la mention spéciale. Prunelle, vraiment mais parfait, ils pourraient exister, ça pourrait vraiment être un. Mademoiselle Jeanne, Lebrac, ouais, Boulier, ils ont tous un look plutôt normal, plutôt coloré, comme l'entreprise. Les décors sont colorés, mais ça, c'est pour l'esprit BD, Franquin, etc. Ça fonctionne. Mais par contre, là, sur ces trois personnages-là. Ils sortent d'un autre monde, les trois. C'est pas possible. C'est chaud. Et c'est là qu'on touche du doigt le gros défaut. Et on l'avait déjà dit par rapport au gag cartoon, ouais. Qui fonctionne pas, voilà, c'est le fait que ça devait rester une BD. Ça aurait dû rester une BD. Il y a des choses qui fonctionnent en bande dessinée et qui fonctionnent pas en film. Il y a des choses qui fonctionnent dans le film. Je pense un des gros points forts du film, un moment du film où je me dis tiens, ça fonctionne. À un moment, il y a Gaston qui vient faire, qui vient pendant que Demesmaeker fait signer les contrats et il lui présente à Prunelle. La déprimante. Oh le maladroit. Et ben cette scène là où il désimprime les contrats et où Demesmaeker se prend toute langue brûlante dans la gueule, c'est un gag de Gaston. Et là, cette scène là, elle passait. Je veux dire, j'avais vraiment l'impression que c'était un gag de Gaston. Ça m'a fait sourire. J'ai fait, c'est bien fait. Le gag est bien fait. On y croit. Ça marche. Moi, je reprocherais juste à un moment du film. Je reprocherais juste le fait que ce gag-là, contrairement à du Franquin, quand tu lis Gaston, on sait ce qui va arriver. Oui, Gaston, il arrive là comme nous, un P. On le connaît par cœur. Il arrive là comme un P et tu te dis pourquoi il vient là. Enfin, pourquoi, à quel moment dans la vie, dans une réunion, tu arrives avec une imprimante, tu la poses devant alors que le truc est hyper important. Normalement, ton patron, il dit tu dégages. Bah ben oui. Tu dégages direct. Mais j'avoue qu'après, le côté, il met les contrats, etc. Là, ça a fait très Gaston. Par contre, ce qui a pas fait Gaston. Vas-y. Ce qui a pas fait Gaston, c'est ce que la fille de Franquin avait dit dans les interviews. C'est une des anecdotes qu'elle a dit par rapport au premier scénario. Ouais, et la ils vache. L'ont gardé. La vache. La vache. Le tuyau d'arrosage dans le cul de la vache. Pour faire le chauffage de l'entreprise. C'est pas Gaston ça. Parce qu'en plus, une grosse partie du film est centrée sur le fait que Gaston soit un écolo. Protecteur des animaux. Et ça c'est vrai. C'est très bien. C'est Gaston ça. Une grosse partie du film. Et là, il mettrait... Déjà, il ferait venir une vache. Bon, il l'a fait dans la BD. Elle existe dans la BD, cette vache Corinne. Mais en plus, il lui mettrait un tuyau dans le cul. Non, et ça, c'est maltraitance... trop cartoon. Franquin n'aurait jamais été. Ah, même, là. Pour moi, maltraitance animale. Ouais. C'est pas Gaston, ça. Exploitation. Alors, je titille, vous allez me dire, oui, mais c'est rigolo, il fait chauffer. Ouais, non, mais voilà. Bon, d'accord, c'est un mais je titille, mais n'empêche que Gaston n'aurait pas fait ça. Gaston n'aurait pas fait ça, c'est faire du mal à un animal. On va conclure. Oui. Je pense qu'on aurait encore plein de petites choses à dire, plein de petits détails sur plein Attention, de petites scènes. On va conclure, mais on va bien conclure. On va pas faire comme la musique toute pourrie de conclusion du film. Vous verrez, voilà. C'est incroyable. On va pas vous spoiler, mais cette musique. Composé spécialement pour film qu'on peut pas encore trouver sur internet et c'est malheureux parce que j'aurais bien aimé Manfin. Qui s'appelle Manfin voilà si vous allez voir le film c'est horrible ça vous sort du film encore plus déjà que vous normalement vous avez pas trop kiffé là ça c'est ça le problème la conclusion du film est hyper ratée et c'est dommage c'est d'autant plus dommage en plus du coup le gaffophone est audible pendant cette scène alors que pendant tout le film il fait un bruit de horrible ce qui est pas logique. Mais conclusion, donc comme vous avez pu le voir, j'allais le dire, on aurait encore plein de choses à dire sur plein de petites scènes, sur plein de petits détails, mais on va s'arrêter là, c'est déjà beaucoup trop long. Donc, en résumé, si vous êtes un enfant, si vous êtes quelqu'un qui ne connaissait pas bien Gaston, si vous avez lu ça vite fait, etc., ce film pourrait marcher, je dis bien pourrait. Bon, les enfants, il y a plus de chances. Un dimanche soir sur TF1, hein. N'allez pas payer. Mais pour les adultes, il faut vraiment... Je pense qu'il y a une chance sur trois que ça fonctionne et il faut que vous alors soyez déjà, pas... Ouais, vous concentrez pas sur le scénario, essayez vraiment d'y aller en mode, il y aura des gags, ça va être drôle. Si vous vous concentrez là-dessus, peut-être que ça pourrait y aller. Mais le pire, c'est que le film, même dans ces cas-là, est pas génial. Non. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui aurait aimé le film et à qui il dirait, ouais, c'était rigolo, bah il dirait juste ça. C'était sympa, il y avait 2-3 machins là, ça m'a fait marrer. Donc même dans ces cas-là, on aurait une adaptation de BD franco-belge passable, juste passable. Et donc du coup, non, franchement, mettez pas 10 balles dedans. Ou vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez pas Gaston Lagaffe, mais qu'est-ce que vous foutez sur ma chaîne,
Dans ce cas-là, allez-y, vous allez découvrir le personnage, et si derrière, vous pouvez aller découvrir la bande dessinée, ça peut être une bonne chose. Oui, dans ces cas-là, ce serait encore super. Encore mieux pour les enfants. Si les enfants leurs parents les envoient voir Gaston, et qu'ils disent « Tiens, Gaston, c'est marrant, c'est des BD, est-ce que je peux lire les BD ?» Là, on aura gagné quelque chose. Voilà, merci, parce que je me perdais. Ouais, je me perdais dans mon explication. Mais dans ces cas-là, ça peut fonctionner, et ça peut être vachement bien. C'est pas juste ça passe ou ça casse, non. Ça dépend de votre degré de connaissance de Gaston. Et de tolérance. Je vais conclure avec ma phrase, voilà. On va la dire en même temps. On va la dire en même temps. M'enfin. M'enfin. Ah bah... Je savais pas, je crois que j'étais... M'enfin, Gaston, c'était pas très bien. Mangez des frites. Hey, tu sais ce qu'il devrait faire ? Un Dupuis Cinematic Universe. Avec Gaston, Spirou, Fantasio, le Marsupilami et tout. Non, franchement, hey, il devrait faire ça comme les Américains, ce serait vraiment trop bien !